sous-marin nucléaire d'attaque est un chasseur. Furtif, obstiné, capable des plus longues traques et des plus patientes embuscades. J'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle d'accompagner l'équipage du sous-marin La Perle pour une mission de 4 mois, classée secret défense. Ces dernières semaines, nous avons traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Écosse. Les côtes approchent et nous allons enfin faire escale avant de participer à de grandes manœuvres internationales organisées par l'OTAN. C'est bon, on a bon surface. Il y a une boule, on a pas une chance. L'escale va durer 5 jours. 5 jours de détente. 5 jours pour profiter de l'air libre et de vraies heures de sommeil. 5 jours pour essayer d'accrocher le regard des filles. C'est le visage. J'ai un peu doublé de volume. Je rentre plus dans mes varoises. Ah ouais, ouais. Moi, je les garderai, ça. Il y a, moi, je les donne et tout. Je les ai gardés. Par la petite chaussette. C'est quand même plus joli qu'une veste. D'ailleurs, ça fait pas le même effet. Et d'ailleurs, ça fait pas le même effet en ville. Ah bah c'est nous, on aurait fait... attends, j'ai fait escale avec les deux. Ouais. Bah, tu te fais vachement plus remarquer avec un pompon. Hein. Et pour dire, Mika, à la SNCF, les mecs, des fois, ils les prennent pour les chefs de gare. Avec la casquette, tu fais américain. Avec ça, t'es forcément français. Voilà, c'est clair. Bah, c'est pas pareil dans c'est certains pays. Oh putain, je vais te ficeler là-dedans. Communication du commandant second. Et je rentre plus dedans. En fait, faut que tu restes au garde à vous. Ah putain, hein. Ça, c'est... Les éléments que vous avez pu avoir hier sur décisions éventuellement différentes concernaient la cible numéro 2. Putain. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Les gars, faut vous tendre. Faut que tu fasses quelque chose, Yuli Soucher, à régime. T'es en train de payer Yuli Soucher. Putain. Pas de marque à la télé, mais bon. Regarde-moi ça. Je peux plus bouger dedans. On s'en fout, ça passera. Tu vas pouvoir monter, ça passe à... Ah, ça va être chaud. Dès qu'on on fait le bâchis... ça rentre pour quand on fait le bâchis, on se salue. Je peux pas le dire. Alors, 2 mètres mou pour l'escale. Pas d'embrouille. Et démerdez-vous. Avec ça, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, pas d'embrouille. Je veux pas avoir à revenir parce qu'il y a un mec qu'on a retrouvé au poste de police. Je veux pas avoir à revenir parce qu'il y en a un qui s'est fait alpaguer à un endroit où il avait absolument pas à être en étant en train de prendre des photographies interdites. Bah, tout ce qui est autorisé, tout ce qui est pas autorisé, est pas autorisé. Pas d'embrouille. Deuxièmement, démerdez-vous. Je ne suis pas votre babysitter pour vous organiser vos 5 jours de détente. C'est comme la Bretagne, il y a mieux, quoi. Tonight's Action Week has been declared a success. During the week, local authorities attended to raise awareness about the controls taken in force under the new Anti-Social Behaviour Act. Complaints about noise pollution are rising by more than 40% in Seoul. Ah, ça va le faire. Bon, un fil dans ma gauche parce qu'on dit droite, c'est franchement droit. Si on dit droite gauche, c'est droite. Attention aussi. Wow.
Fastlane, les représentants des armées de plus de 30 nationalités, dont notre commandant, notre second et les officiers du bord, se réunissent pour organiser l'une des grandes manœuvres annuelles de l'OTAN. Conflit virtuel, géographie imaginaire, alliance et ennemis fictifs, cependant que les vrais avions, les vrais navires de 30 pays différents, vont s'employer à affirmer leurs forces dans l'éventualité d'un véritable état de guerre. Le sous-marin La Perle est un des acteurs du scénario. L'équipage, à présent formé, va pouvoir participer aux grandes manœuvres internationales. Alors nous, on est là. Ici, on a un point de passage obligé à 20h. Donc la force va venir d'ici. La force constituée d'un gros, ce qu'on appelle le gros, la cible, de 6 escorteurs et un sous-marin. Donc nous, on les attend par ici. Et après, elle se dirigera vers là. Donc là, notre but, nous, c'est de les attendre ici pour pouvoir engager le gros. Ah, il est beau, là. Top, le gros. Il y a l'Arlebug juste à côté. Il est à 5000 mètres en 120 droite. Ok, je rentre. Donc le plus proche, c'est le gros accompagné du McFall, la frégate américaine. On va tirer une deuxième torpille sur le McFall, ok? Attention, il faut lancer sur le McFall. On fait feu. Torpille est partie, azimut de feu, 2, 1, 6, gyro. 170 gauche, temps de parcours 3 minutes 6, cap de l'arme à 8-6. La torpille, donc 3-1-0, 1900 mètres, cap de l'arme 3-1-1. Oui, reçu. La torpille à 1400 mètres du but entretenu, on prend des perceptions, on lâche la torpille en autoguidage. Entretenu 3300 mètres en 90 gauche, on a d'accord. Donc, il y a du 0-9-0 actuellement, et il serait venu au 0-4-0, 14-2-17. Nos armes, c'est des torpilles qui sont faites pour couler des bateaux ou des missiles qui sont faites pour les endommager violemment. On s'entraîne à les lancer, à faire but. Mais aucun d'entre nous, et même de génération de nos plus anciens, n'a utilisé réellement ces armes. Ça reste une dissuasion. On montre qu'on est capable de le faire, mais on ne l'a jamais fait. L'entraînement a l'intérêt de mécaniser la chose pour que les gens réfléchissent pas. Réflexe, ouais. C'est vraiment toute la partie phase réflexe. Et ce qu'on joue le plus sur ces bateaux, c'est effectivement l'entraînement à la phase réflexe pour se défendre et attaquer. La réflexion, je pense qu'elle viendra dans un deuxième temps. En revanche, la réflexion, il ne faut pas qu'elle vienne après coup, il faut qu'elle se fasse au fur et à mesure et qu'elle s'alimente et elle mûrisse sur toute une carrière. Oui, tu ne peux pas dire je réfléchirai à ce métier-là en retour. Réflexion, c'est la mauvaise réaction des gens ou la réaction non conforme des gens, tu la limites au maximum en entraînant, ouais. En mécanisant le plus possible voilà. Toutes les réactions. Ça, c'est les procédures. Alors, après, ce qui sera plus délicat effectivement à gérer, je pense, c'est... c'est finalement, on a tiré une torpille, on a fait 400 morts. Ouais, on a fait les morts. Ouais. On a fait 400 morts. Ah oui, ça. Comment après, tu gères ça? Est-ce qu'on a bien ça, fait après, est-ce que c'est ça, c'est et là, il n'y a pas ça, de ça, c'est un problème d'éthique. Il n'y a plus de préparation. Il n'y a plus de préparation. Cette nuit, entre deux manœuvres, Diablo, le second maître, s'est isolé à l'avant, près des tubes lance-torpilles, totalement absorbé par un jeu vidéo de guerre sous-marine. Du virtuel, des images artificielles de guerre, de destruction.
quoi de mieux que de jouer à la guerre? Lancer des torpilles, détruire des bateaux ennemis. Après ça, il faudra se contenter de la réalité. Depuis 10 jours, les manœuvres internationales battent leur plein. Jean-François, l'oreille d'or, soupçonne la présence d'un sous-marin ennemi dans les parages. Mais bien des sons peuvent venir brouiller les signaux très discrets du bateau recherché. Qu'est-ce que t'as pour l'instant? Pour l'instant, rien, on a que des dauphins dans cette trace. Vous n'avez pas eu plus que du biologique? Non, bon. Bon, essaie de se rapprocher. De toute façon, j'ai un poste bas dans cette trace. Ce sont de longues traques silencieuses, de longues heures passées à confirmer les traces des navires ennemis. Le dauphin, il doit se sentir un peu comme Rantanplan poursuivi par le train. C'est un gros sous-marin qui me poursuit. La quatrième génération, il ne doit pas trouver ça drôle du tout. Justement, si ça l'amuse, c'est peut-être qu'il reste autour de nous pour ça. C'est toi qui penses que c'est un dauphin? Il y a peut-être quelque chose d'autre derrière le dauphin. Il y a peut-être quelque chose. En attendant, il en a bien brouillé. Il faut y croire. On essaie de croire. Les manœuvres sont prévues pour durer 3 semaines. Aucun répit pour l'équipage qui enchaîne inlassablement ses quarts et dont le rythme biologique se décale peu à peu. Pour un coup pour rien alors.